Il faudra attendre le 22 août prochain pour découvrir la nouvelle série Game of Thrones, mais les premières critiques américaines parues sur la toile annoncent d'ores et déjà un préquel à la hauteur des attentes. À quelques semaines de son lancement, le préquel de Game of Thrones est déjà un succès. La série, intitulée House of the Dragon, se déroule 100 ans avant les aventures de Jon Snow et compagnie. L'intrigue du programme retracera notamment la guerre civile ayant entraîné la disparition des dragons et la fin de l'âge d'or du règne Targaryen sur Westeros. Dévoilé en avant-première à des journalistes et influenceurs américains, le premier épisode a suscité un vif engouement, laissant présager un préquel à la hauteur de la série originale. Certains spectateurs ont même laissé entendre que cette série pourrait faire oublier le souvenir douloureux de l'ultime saison de Game of Thrones, critiquée par de nombreux fans du programme mais également par l'auteur des romans, George R.R. Martin. Découvrez les réactions du public américain suite à la diffusion en avant-première du pilote de la série House of the Dragon. Je n'ai pas du tout aimé la dernière saison de Game of Thrones. Mais je dois avouer que le premier épisode de la série House of the Dragon est très bien fait et je vais continuer à la regarder. À la fin du pilote, nous avons découvert une bande-annonce très cool du reste de la saison. Parenthèse fermante. Wow les gars, juste wow. Plus de détails dans ma prochaine vidéo, mais je peux déjà vous dire que cette série cesse du lourd. Cela semble déjà beaucoup plus. Sérieux, ils ont tout compris. Juste vous, le pilote de House of the Dragon développe avec efficacité les liens qui le relient à Game of Thrones, introduit ses personnages principaux et annonce le conflit qui sera au centre de la série. C'est un début facile à suivre, avec beaucoup de textures et des couleurs vives. Pour l'instant, la série s'annonce comme un digne succès. Parenthèse fermante. La série House of the Dragon, préquel de Game of Thrones, est à suivre en exclusivité sur OCS City et OCS à la demande chaque lundi à partir du 22 août prochain.